Shakira n'a pas dit son dernier mot. Depuis quelques semaines, la chanteuse est au centre de l'attention suite à sa rupture avec Gérard Piqué. Séparée du père de ses enfants avec qui elle était en couple depuis 12 ans, l'artiste de 45 ans est bien décidée à dévoiler la vérité. Le 11 janvier dernier, elle a publié une chanson dans laquelle les tacles à l'égard de son ex-compagnon et sa nouvelle petite amie s'enchaînent. Mais elle n'a pas l'intention d'en rester là. Selon les informations de Marca, ce dimanche 29 janvier, Shakira va dévoiler un nouveau single très prochainement. Celui-ci sera disponible le 2 février prochain. Soit le jour de l'anniversaire de Gérard Piqué. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Selon le média espagnol, Shakira a fait appel à Karol G pour enregistrer le clip vidéo, en seulement 2 jours. Un morceau qui devrait à nouveau contenir des références sur sa relation avec Gérard Piqué et ainsi permettre à la chanteuse de donner sa version des faits. Si le principal concerné n'a pas souhaité réagir publiquement jusqu'à présent, va-t-il finalement le faire ? Dans son morceau précédent, Shakira a enchaîné les tacles. Une louve comme moi n'est pas faite pour un mec comme toi, j'ai pris un autre avion, je ne veux pas revenir, je ne veux pas une nouvelle déception, ou encore, tu m'as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte et des dettes au fisc. Un morceau qui a fait l'unanimité et la chanteuse peut compter sur le soutien des internautes. Toutefois, Gérard Piqué a prouvé qu'il n'était pas du tout affecté par tout ceci. Il s'est d'abord montré avec une montre Casio au poignet puis au volant d'une Twingo, une référence aux paroles, avant de dévoiler une photo en compagnie de sa nouvelle petite amie, le mannequin Clara Chia, âgée de 23 ans. Le footballeur international n'a pas écrit de légende à sa publication mais les commentaires ont montré que celle-ci était de très mauvais goût. Une officialisation qui n'est pas passée inaperçue et à laquelle la chanteuse va très certainement réagir dans sa nouvelle chanson. Shakira, comment a-t-elle découvert que Gérard Piqué la trompait? Cette séparation fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines. Les révélations se sont enchaînées et, selon la chaîne espagnole Telecinco, c'est grâce à leur frigo que Shakira a découvert que son compagnon la trompait. Rentrée d'une tournée promotionnelle, elle se serait aperçue que les pots de confiture avaient beaucoup diminué. Surprise car Gérard Piqué ne consommait pas, la chanteuse aurait alors fait appel à un détective privé pour en apprendre davantage. Ce dernier lui aurait alors indiqué que Gérard Piqué entretenait une relation avec Clara Chia, qui consomme des toasts avec de la confiture au petit déjeuner. Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension, avait-il déclaré dans un communiqué officiel transmis à l'agence EFE. Une séparation qui avait surpris les internautes. Qui ont pris le parti de Shakira.